dans la dernière ascension. Effectivement, le sprint est lancé désormais. Il reste 300 mètres à couvrir pour ces champions. Le public est en train d'accueillir formidablement ce quatuor, la gagne pour un jeune champion. Est-ce le Barbier? Est-ce Lars ou encore Gruel? Et pourquoi pas Jérémy Hulot? Réponse, en tout cas, les courses sont aux 250 mètres. Le public est en train de vibrer maintenant au passage de chez Champion. Seuls trois hommes invités au podium. Il y aura donc un concurrent déçu dans ce quatuor de tête. Mais ça aussi, quelque part, c'est le cyclisme et c'est le sport avant tout. Voilà la moto qui devance des courses de 50 mètres seulement. Et bien entendu, les coureurs vont faire l'extérieur pour avoir un lancement sur le final. Rien n'est joué. Pierre Haas est en tête. Il est menacé maintenant par Jérémy Hulot qui revient. Hulot qui revient. Pierre Haas, attention. C'est la ligne formidable. Premier Pierre Haas. Deuxième Hulot. Troisième Le Barbier. Et quatrième, le meilleur animateur de l'après-midi, Valentin Gruel. Oh, les applaudissements pour ces quatre hommes. Quelle finale. Et ça s'est joué véritablement.